Mes chers amis, bonsoir. Que vous soyez gilets jaunes ou pas, merci de rejoindre mon live comme tous les soirs depuis plusieurs semaines. Ce soir, on va faire court. Je sais que je le dis tous les soirs et qu'on n'y arrive pas parce qu'on est si bien ensemble et qu'il y a tellement de choses à dire surtout. Mais ce soir, croyez-moi, je vais faire court, mes amis. Je pense que, voilà. Vous voyez, je suis un peu fatigué. Il est tard. Alors, je vais aller très très vite. Donc, sur les petites infos, il y a l'information que je vous ai mis tout à l'heure. Et donc, j'avais pas mis de bilan. Et donc là, voilà, je vous donne un bilan. C'est qu'il y a au moins deux. Alors, de quoi on parle? On parle d'un kamikaze qui s'est fait exploser au Caire, alors qu'il était poursuivi donc par la sécurité, par la police, la sécurité. Je ne sais pas exactement si c'est la sécurité privée ou si c'est la police. Et donc il a fait exploser sa bombe derrière la mosquée Azhar. Hein, Azhar. C'est une mosquée très très célèbre. Et donc il y a deux agents de sécurité privée ou deux policiers, je ne sais pas exactement, qui sont morts, trois blessés et donc l'assaillant qui est mort. Voilà pour cette information. Donc ça n'est qu'au début. Ça remontera petit à petit. On ne peut pas tirer des conclusions à ce stade-là. Moi, pour l'instant, j'attends de voir. Aux États-Unis aussi, il vient d'y avoir 4 morts. Donc, 4 morts par balle. Et dans les 4 morts, il y a des enfants. Je ne sais pas exactement. Et je ne connais pas les circonstances, je vous donne l'endroit. Donc c'est dans le Kent County, dans le Michigan. D'accord? Donc voilà, les policiers ont été appelés sur les lieux. Là pour l'instant, c'est des conférences entre police et journalistes. Donc dès que j'en sais plus. Donc mardi, il y a les magistrats qui vont statuer sur le contrôle judiciaire de Alexandre Benalla. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, alors, ensuite, je vais vous mettre, parce que c'est un sujet que je vous ai préparé il y a très longtemps, que à chaque fois, et il n'est pas le seul, hein, je vous ai préparé aussi sur, pour ceux qui le connaissent, sur Bonjour Tristesse, hein, c'est un énorme manipulateur. Vous me direz, qui n'est pas manipulateur dans tous les pseudos chercheurs de vérité? J'en ai parlé encore et encore. J'ai fait des vidéos avant le 17 novembre, après, qui revient sur toute la clique là, qui est toujours ensemble. Et vous verrez, hein, vous avez vu, ils s'invitent toujours les uns les autres. C'est pas perméable, hein, vous pouvez pas. Ils acceptent pas de faire des lives. Ils ont raison, hein, parce que. En tout cas avec moi je tournerai pas autour du pot, hein. J'appelle un chat, et ceux qui sont francs-maçons pour moi ne sont pas fréquentables. Combien même ils peuvent dire qu'ils ne le sont plus, moi je sais que c'est pas vrai. On peut pas sortir de la franc-maçonnerie comme ça. Et bon bah c'est. Quand c'est. Comment dire, quand on est atteint. Quand on est vraiment très très atteint, que ce soit d'une maladie ou d'une idéologie néfaste,
il est presque impossible d'abandonner hein, certains réflexes, certaines mauvaises habitudes. Et là, c'est que des mauvais réflexes, c'est que des mauvaises, on va dire, des mauvaises énergies, des mauvaises actions, des mauvaises réflexions. Voilà, donc ça s'abandonne pas comme ça. Voilà, oui, ils sont pour la plupart francs-maçons, ceux qui vous parlent sur les réseaux sociaux, ceux qui simulent chercher la vérité. En fait, c'est pour vous faire tourner en rond, pour vous balader, vous faire tourner en rond, vous faire tourner en rond. Mes chers amis, ne cherchez pas compliqué, hein. Il faut pas commencer par la fin, par Macron ou par le RIC. Ça, c'est vraiment la chose la plus stupide à faire. Il faut commencer par le vrai problème, qui est ce réseau, la franc-maçonnerie, qui a infiltré tous les pouvoirs, toutes les institutions depuis très très longtemps, qui est même le créateur donc de cette république répressive, cette république terroriste, hein, parce que tirer sur les gens pour passer un message aux autres, leur faire peur pour qu'ils n'aillent pas manifester, c'est du terrorisme. Monter des attentats sous faux drapeau pour arriver à faire passer certaines lois, c'est du terrorisme. Agiter les communautés les unes contre les autres, effrayer une communauté en particulier, et là il s'agit des juifs, en fabriquant des actes antisémites pour désigner tantôt les musulmans, là aujourd'hui pour désigner les gilets jaunes, hier c'était pour désigner les manifestants de nuit debout, toujours dans le but de les diaboliser, de décrédibiliser leur cause. C'est absolument un acte terroriste, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et donc, face au terrorisme, mes chers amis, on va appliquer ce qu'ils nous ont toujours répété, c'est qu'il ne faut jamais céder. Et il faut nous unir plus qu'avant, même ceux d'entre vous ou celles qui hésitaient entre soutenir ou pas les gilets jaunes, descendre dans la rue samedi prochain et les samedis suivants, tous les samedis, jusqu'à ce qu'on arrive à finir notre révolution. Eh bien, je vous invite vivement, par solidarité, vous qui êtes sortis pour le faux attentat Charlie, hein, en tout cas, comment dire, on va, voilà, c'est plus juste de dire l'attentat orchestré, hein, par respect pour les familles des victimes. L'attentat orchestré et dans lequel il y a la main de l'État, de Charlie Hebdo, du Bataclan, et tous les attentats de Strasbourg, hein, tous les attentats de façon générale, eh bien vous avez partagé, hein, vous avez partagé, je suis Charlie, je suis Nice, je suis Bataclan, vous l'avez fait, hein, je sais que vous l'avez fait, parce qu'on a été une écrasante majorité. Alors excusez-moi, j'ai dit on, moi je l'ai pas fait. Mais parce que j'avais l'information. C'est la différence, elle est là. Mais vous qui l'avez fait parce que vous y avez cru, et j'ai pas la science infuse, les amis, moi j'y ai vraiment cru, là, c'est d'ailleurs la dernière chose à laquelle j'ai cru, c'était au 11 septembre. Et je me suis fait arnaquer sur le 11 septembre, j'ai vu le désastre qui a suivi en Afghanistan, en Irak, etc. Depuis, tous les autres attentats qui ont suivi, j'y ai pas cru. Donc, voilà, je ne suis pas non plus absous, hein, de toute erreur ou de me faire manipuler. Hein. Pour déjà ne plus se faire manipuler, pour apprendre, il faut déjà se faire manipuler plein de fois. Hein.
Donc les amis, voilà, vous avez été donc très solidaires avec suite aux attentats contre Charlie Hebdo. Vous avez été très solidaires suite aux attentats suivants jusqu'à un certain point, hein, parce que là on a vu qu'à l'attentat de Strasbourg, bon, c'était plus le même soutien que les attentats précédents, hein. C'est même passé, on n'a pas eu trop de marches blanches, d'explosions de bougies, d'explosions de messages sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a l'éveil qui arrive, bien entendu. Il faudra qu'un jour les commanditaires payent, hein. Il faut qu'ils payent. Il est là le respect des victimes et des familles des victimes. Ce n'est pas de faire de manière hypocrite, hein, d'allumer un cierge ou de dire oh, on est avec vous. C'est de lutter pour que notre révolution réussisse, pour que tous les coupables de tous les attentats, de tous les malheurs de cette république répressive rendent des comptes, hein. Ce sera des tribunaux populaires et il n'y a de meilleure façon de rendre justice à tout le monde, à nous y compris, hein, que d'aller jusqu'au bout de cette révolution pour que le pouvoir nous revienne à nous, le peuple. Hein. Parce que là, le pouvoir, tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir médiatique, sont détenus exclusivement par une caste, une secte, un mouvement, une association, appelez-les comme vous voulez, qui s'appelle Franc-maçonnerie des Amis, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Voilà, petite présentation, déjà que j'ai dit, je vais pas rester longtemps, déjà, rien qu'avec la présentation, à mon avis, on a mis un quart d'heure, si ce n'est pas plus. Les amis, alors, je vous ai préparé un sujet. Je vais aller très très vite parce qu'il est long normalement et en plus c'est en anglais. C'est une information que je n'ai pas vue sortir dans les médias français, que je vous ai préparée il y a très très longtemps. Ça concerne donc un viol qui a été, qui est un viol, hein, on ne sait pas, peut-être, peut-être pas, mais qui a été filmé sur Facebook Live par la femme donc victime. La présumée victime, donc elle était sur Facebook Live toute la soirée, elle dansait. Cette boîte s'appelle l'Opéra Nightclub, donc aux États-Unis, très célèbre. Et donc elle n'a pas coupé son Facebook Live, et même elle, pendant cet acte, pendant ce crime, hein, parce que c'est un crime, c'est pas un délit. Les attouchements sexuels, c'est un délit, mais le viol qui est. Il faut l'acte de pénétration est un crime. Donc l'auteur, la victime de ce crime, demandait carrément de l'aide en plein viol à ses spectateurs. Hein. C'est vraiment choquant. Mais vous verrez que il faut, enfin, il y a des éléments très troublants qui, voilà, moi personnellement. Je vais peut-être donner un avis à la fin, mais je vais vous soumettre l'information qui a été absente, hein, de tous les médias français. Je ne l'ai même pas vue dans un petit magazine ou passée comme ça sur un site internet, un blog d'un des médias comme il est l'habitude qu'il fasse. Donc voilà. Alors, je vais essayer de dater depuis quand. Donc j'attendais pour trouver un moment pour vous passer ça. Donc depuis le 23 janvier, mais c'est arrivé un peu avant. Depuis le 23 janvier, je voulais vous passer ça. Donc voilà. Alors on va commencer par une vidéo. C'est en anglais les amis, hein, mais c'est pas très difficile à comprendre. Et je vais l'avancer la vidéo parce qu'on n'aura pas le temps là pour tout passer. Je vais surfer très très vite sur cette information. On va voir bien entendu les images malheureusement les plus chocs, hein, les plus brutales, hein, malheureusement.
Là, il est 23h20, donc si c'est pas fait, couchez les enfants, les amis, et Hello, Knockouts. Tommy. on va regarder ça. Et bon, ben, vous me verrez, je vais avancer parce que sinon, ça va être très compliqué, c'est en anglais. Moi, je pensais vraiment prendre le temps de vous faire la traduction, mais je suis épuisé et voilà, on va passer très très vite, malheureusement. Allez, c'est parti. TKO here, and I'm a self-love specialist from TanyaTKO.com. I help you learn how to love yourself and each other. On this channel, we cover videos talking about either self-loving or self-abusing. Donc, la victime, elle est là. Et l'agresseur, c'est la tête qu'on voit derrière. Alors, la présentatrice, c'est une chaîne YouTube, hein, se demande si donc si c'est un viol ou pas. Mais bon, la vidéo est explicite, hein, et donc elle va nous diffuser la vidéo. Cause the video to so I look I don't know what's going to happen to this video. I don't know how long it'll be able to stay up. So view the video while you can, share it. Donc là, donc ça démarre une longue soirée où elle est sur Facebook Live, elle danse. Hein. Donc là, elle est en train de danser. Okay, so I wanted you all to see that video first because that's the video. Donc là, les amis, ça, on va passer à la partie la plus dure. Donc les amis, vous l'entendrez à un certain moment dire aidez-moi, aidez-moi. Donc elle sait qu'elle est sur Facebook Live. Elle va dire help me, help me, help me. Help me, 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 help me,
Voilà les amis, hein, c'est très très dur. Même moi qui revois ça, franchement c'est super dur. Alors bon, on va, vous verrez que c'est un peu à nuancer, même si encore une fois, je ne vais pas donner un avis tranché. Vous ferez votre propre avis. Hein. Voilà. Je suis désolé hein, si je vous ai choqué. Je vous ai prévenu. C'était une information. Qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, bien entendu, qui est passé inaperçu en France. Et donc, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est que cette jeune femme a bu toute la soirée et qu'elle a vu plusieurs, enfin, elle a fréquenté plusieurs personnes, plusieurs hommes. Elle s'est fait offrir plusieurs boissons. Donc il est fort probable qu'elle a été droguée aussi. Voilà. Donc là, je passe très très vite sur la vidéo. Donc il y a l'analyse de cette youtubeuse qui, elle essaye. Donc moi aussi, j'aimerais vous faire passer ce message. Hein, lorsque vous allez en boîte de nuit. C'était la mode à un certain moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, toutes les boîtes de nuit, là où vous commandiez un verre à boire, ils mettaient un capuchon comme chez McDonald's, hein, pour éviter qu'on vous mette du GHB ou n'importe quelle autre drogue, parce que c'est très fréquent hein, que soit bourré, soit drogué, des jeunes filles plutôt, hein, plutôt des très très jeunes. Ne sache plus dire non et ne sache plus où elle vend, et même le lendemain, le GHB et d'autres drogues l'empêchent d'avoir des souvenirs pour donner des détails à la police. Et donc là, voilà, je vous mets très rapidement la séquence où donc cette youtubeuse fait un rappel qu'il faut se méfier. That gives them power and control over another person's choice. So this is going to be split. There are going to be people who are going to call her stupid because she was drinking, and we all know. I'm sure we all saw that footage of that spring break incident where the person is passing by, and even though the girl, she's like doing. Voilà, je coupe le son parce qu'à mon avis, son morceau de musique, il va me faire censurer le live. Donc elle dit, ne dites pas que qu'elle sait pas boire, etc. Parce qu'on ne sait pas. Regardez, vous l'avez vu? Vous l'avez vu le gars qui l'a mis? Ça va très très vite, regardez. Donc elle dit, ne la traitez pas de quelqu'un, comme on dit d'habitude, qui tient pas à l'alcool, etc. Ça peut arriver à n'importe qui, y compris à moi. Regardez, là, ça va aller très très vite. Ce garçon-là, il va mettre ce qui ressemble à une pilule, à un comprimé, dans le verre de cette jeune fille qui a l'air de bien s'amuser. Donc je vous le montre là et je vous le remets une dernière fois. Vous verrez à quel point ça va vite. Vous avez vu? Elle est occupée en plus à faire son live, elle l'a pas vu. Allez, on le met une dernière fois. Of that spring break incident where the person is passing by, and even though the girl, she's like doing a selfie, even though the girl is looking in the camera, even though the guy comes very close to her, drops it in very quickly. She didn't even see him do it, just passed by, dropped in very quickly. And it's like, so there's so many of us that will revolt against this. There are many of us who will empathize. There's some of us who will revolt against it and try to think of what she could have done differently. Oh, don't go to the club. And it's so sad that these people are black, because constantly, over and over and over and over again, we're seeing the vision and the image of the black man as an assailant, as a victim. Donc, alors, voilà pour cette première partie. Donc, on a vu ça. Maintenant, je vais vous mettre l'analyse d'un autre youtubeur américain. Donc, vous verrez que lui, il va donner des éléments supplémentaires et qui vont permettre
permettre donc d'avoir un avis à la fin. Encore une fois, chacun le sien. Alors, il a un micro qui ressemble au mien. Je suis fier d'avoir acquis ce micro que j'ai pas eu le temps d'installer, les amis. Vous voyez, je suis toujours avec mon casque qui est lourd, hein, il me pèse. Mais voilà, j'ai un beau micro pour bientôt. Et donc lui, il a un beau micro aussi. Allez, regardez. As the father of two young girls, stories like this tend to hit really, really close to home for me. A young woman, mother, wife-ish, in Atlanta, found herself partying and having a good time. And somehow in the midst of that partying, having a good time at a club called Opera, she ended up getting raped right on the middle of the dance floor in front of hundreds of onlookers. And no one did a thing. I want to discuss this with you, and I'm pretty sure, like everything else, I will offend people because I want to try to call it as I see it. Alors là-bas, aux États-Unis, vous avez vu, un YouTuber, c'est un métier, hein. C'est du grand art, hein, avec le générique qui va bien. Vous avez vu l'arrière, ça, c'est même mieux que BFM VC, hein. Alors là, il va lancer son générique. So in the age of the Me Too movement right now, let's go ahead and break some news. Ladies and gentlemen, welcome to TNN News, Raw and Uncut, with your host, Tom Sotomayor. Rape is one of the most disgusting things that can happen to a woman. Scratch that. Can happen to a human. Because we don't talk too much about boys and men who it happened to, and there seems not to be any outrage in the United States when it does happen. Good afternoon, everyone. I'm Tommy Sotomayor, and this is TNN News Raw. The young lady behind you, her name is Jasmine Island, and apparently, or Eli. Donc, les amis, comme je vous ai dit, on va aller vite. Je vous passe les détails. C'était plus pour que vous voyez les photos d'elle, donc de la victime présumée qui sont montrées. Là, on voit en plus bien son agresseur. Il est là. Et donc les éléments qu'il va donner, donc c'est qu'ils vont continuer donc à nous éclairer. Voilà, ça va être là. Donc il va montrer que enfin, tout ce que je vous ai dit au début, c'est que toute la soirée, elle a vu plusieurs, elle a fréquenté plusieurs hommes. C'est pas uniquement celui-là avec lequel on la voit danser et que à la fin il l'agresse, supposément, mais qu'elle a fréquenté plusieurs hommes et s'est fait offrir donc plusieurs boissons. Yeah, help me, and there's one of the photos, and there's one of the guys, or the guy who did it, who's holding her, and j'arrête parce que je ne sais pas si je suis encore connecté sur Facebook. J'ai l'impression que non. Je vérifie. Je vérifie. Est-ce que je suis encore sur Facebook? Alors, est-ce que je suis sur Facebook? Je regarde. Alors, j'ai l'air d'être connecté. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être la musique de la vidéo. Moi, je me vois connecté. Alors, je vais voir sur vos commentaires. Ok, donc vous voyez que je suis connecté. Émilie Gérard, Marie-Lou
Kderms, Sophie-Marie Dubois, Joe Cool Raoul. Oui, j'ai été menacé, je l'ai bloqué d'ailleurs. Ok, Catherine Studer, Sophie-Marie Dubois, Julien Huile. On va vous confirmer que je suis connecté, moi. Ok, bon, bah, Liège Sauval, Corinne Yvette, Garcia José. Ok, Joël Xavier Lemain, Élise Cuté. Bon, bah, très bien, même si moi je ne me vois pas connecté, bah, je vais continuer. Alors, donc on en était sur le point, il allait nous montrer des images supplémentaires de la soirée de cette donc jeune femme présumée victime. He was with her for a long time. There's a lot of video footage. As a matter of fact, I'm going to show you guys some of it right now. There's a lot of video footage on her page, not anyone else's page. It's her actual page. It's her posting her own stuff on her page, which is to me odd because. Donc il a récupéré les éléments qu'il va montrer sur la propre page de la victime. Because, and I'm not trying to tell people how to act as victims. But to me, this is the second incident in which black women have been supposedly victims of something happening to them. And with me, it just doesn't feel like it's like they don't know how to play the victim role correctly. And maybe it's not something you should have to play or whatnot. Again, I'm a man and I don't know, and I've never had this happen to me as an adult. So I don't know how it's supposed to go. Let's just take a look at her last video that she posted herself on her Facebook page. She just posted this, it says 4 hours ago. Donc il dit qu'il y a des choses troublantes que lui personnellement, s'il a été victime de viol, il n'aurait jamais fait. Et donc là, il nous montre la vidéo, la dernière vidéo qu'elle a postée après donc qu'il y a eu le présumé viol. Donc vous voyez bien, on est en pleine journée. C'est dans les jours suivants qu'elle a fait cette vidéo. On regarde. Hey y'all, I want to address the situation. It's not gonna be lengthy. It's gonna be very short. First, I'm not gonna address any negativity, no speculations. I'm not all the opinions, none of that. Thanks to everybody. Every text, every message. I haven't read it or opened it. I've only responded to a few. But Jaybug Bon, il y a une partie que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Il y a une partie que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Je viens de m'en rendre compte, ce qui me plante donc, ce qui me plante l'explication, ce qu'on a vu, ce qu'elle a dit là. Mais ce qu'il faudrait, bah tiens, je vais me mettre à l'écran. Ce qu'il faudrait. C'est que je vous montre donc la séquence
Alors, on va, je vais aller le chercher là. Alors, ah bah il a, à mon avis, il l'a supprimé. Hein? Et moi, je n'ai pas vu ça passer. Parce que là, Hey guys, let's get into the je show vois with Mr. qu'il a fait des vidéos où il montre donc des articles qui ont été écrits sur lui. Bon, bah. Alors, bon, bah, on va faire simple. C'est qu'à la fin, donc il y a une vidéo. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Donc il y a une vidéo où on la voit un peu trop sereine, alors qu'il y a eu, il vient d'y avoir. Viol, elle était en train de danser. Cette vidéo, je ne l'aurai pas. Et si je l'obtiens un jour, je vous la montrerai, tant pis. Donc elle s'appelle Jasmine Island. Je pensais l'avoir collé donc à la fin de l'autre vidéo. Là, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Quand ça arrive. Alors il y a des vidéos de toutes sortes. Là on a même 100 live qui a été donc diffusé tel quel. Là, je vous le mets à l'écran. Vous voyez. Mais voilà, je me suis planté sur la vidéo que je pensais avoir préparée. À mon avis, la partie que je cherche a été censurée parce qu'effectivement, ça met un mal. Ça met à mal le comment dire le l'accusation de viol. À mon avis, ça a été enlevé. Everyone keeps saying we're her friends. If you've been paying attention to the video, she said several times that she was by herself.
She was by herself. So stop asking the same freaking question, where are her friends? She didn't come with any. She came by herself. She said that numerous times in every video. Y'all need to listen. Y'all are too busy worried about where that rape video is, bro. Y'all not even listening to the conversations that's going on. Y'all need to pay attention. Stay awake. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir, les amis, c'est que malgré la violence de la vidéo du présumé viol qu'on a vu, malgré ça, on pourrait penser que ça a été fabriqué, parce que là on l'entend par exemple qui dit qu'elle est, enfin, qu'elle acceptait d'être payée, hein, qu'elle buy herself, ça veut dire elle veut vendre donc sa personne, quelque part une transaction de prostitution. Et donc voilà, j'avais une séquence qui était troublante où elle était très très sereine, elle continuait à danser après donc cet acte. Et il y a eu plusieurs vidéos donc sur le sujet. Là donc c'est la présentatrice de tout à l'heure, elle a appelé cet homme. Donc le présumé violeur, elle a eu au téléphone, elle a conversé avec lui au téléphone, voilà. From her leaving the state all the way going back to the going to the other side of the state where her friend was at, some girl named J-Bug, standing there with her and J-Bug, and we was trying to stop her from going on the stage to embarrass herself, and she wanted to fight us and got on stage anyway and done all that crazy stuff. Donc voilà mes amis, j'espère que vous m'en voulez pas, ça a été un petit plantage sur un morceau vidéo que je pensais avoir collé, mais que je n'ai pas collé, et puis bon bah, comment dire, épilogue, fin de l'histoire, c'est que pensez ce que vous voulez, mais voilà, c'est pas clair. Il y a des éléments très très troublants. Ça pourrait être une orchestration du type Ramos. Je me fais violer, je fais le buzz, et après, bon, bah, vous les voyez tous les deux continuer à s'exprimer sur les médias, etc. Donc c'est profitable à tout le monde. Allez savoir, hein. C'est peut-être aussi un vrai viol et que on verra ce présumé violeur condamné un jour. Voilà, moi je donne pas un avis tranché, c'était une information qui a fait énormément donc qui a eu énormément de répercussions aux États-Unis, beaucoup 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 de répercussions, et comme je n'ai pas vu aucun retour en France, bon ben voilà, je voulais évoquer, faites si vous voulez des recherches. Voilà, on va s'arrêter là, on n'en saura pas plus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va peut-être arriver à se quitter, hein, rapidement. Alors. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 37. Est-ce que... Il est quelle heure? Il est presque minuit. Je vais peut-être vous mettre un tout petit document pour que vous soyez pas passé pour rien. On va aller chercher dans les documentaires. Je vais vous mettre un petit document. Il faut que j'en trouve un petit. Allez, je vais vous mettre...
Je vais vous mettre le documentaire habituel, les amis, malgré que beaucoup d'entre vous le connaissent. Ou alors je vais vous mettre celui-là, il est plus court. Voilà, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous en mettre la version très courte. Je vais vous en mettre un extrait. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. On passera pas. Et puis, si vous voulez voir le complet, bon, bah, vous allez sur le site regarder.org. Vous allez sur mes précédentes vidéos, parce que je les diffusais pas mal. Ou vous attendez demain, après-demain, les jours à venir, et je le diffuserai. Allez, on regarde donc la version très très courte ensemble. C'est parti, les amis. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé et créent tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussit est à eux. 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays. Différents fondateurs, 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles, exemple Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelé et bien dirigé de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaire ou démocratique, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc. Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement, extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôle méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera. Tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous. Bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. Donc mes amis, voilà, vous avez vu, c'est regarder.org. On va s'arrêter là. Pour une fois, il y a 4 minutes près, on aura fini avant minuit. Je vous diffuserai donc le document complet et d'autres à d'autres occasions, promis, vous le savez, je l'ai déjà fait. Je vais essayer d'une manière extrêmement rapide de vous saluer. Je ne vais pas vous lire, les amis. Voilà, alors je vais faire en groupe, hein. Je suis désolé. Allez, bonsoir et bonne nuit à deux points, à ceux qui vont suivre. Joe Cool Raoul, Lia Lelo, Afon Lesson, je t'ai jamais vu toi. Eh bien, bonsoir et bonne nuit. Allez, bonsoir et bonne nuit à Sir Stanis, à Frank Chase, à Claudine Even, à Catherine Studer, à Richard Debré, à Yann Limousin. Yann Limousin, alors, toi c'est particulier, tu nous parles. Tu me suis depuis VK. VK, mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Facebook russe. Bonsoir et bonne nuit. Pas à toi. Le troll là qui me menace tous les soirs, que j'ai bloqué sur au moins 10 comptes et qui revient à chaque fois avec de nouveaux comptes. Mais par contre, bonsoir et bonne nuit à Liège Soval, à Eva Maria et Jill. Merci pour ton attention, Eva. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu. Merci pour ton attention.
et ton message par rapport au sapin et à mes enfants. Merci. J'espère que tu vas bien. Bonsoir et bonne nuit à Anouk Bastien, à Emmanuel Hamel, à Donostia Daniela, à Elimel Janovic, à Olivier Poco, à Julien Will, à Cécile Dodon, merci pour les petites images Cécile, à Bilbil, à Marie Lefebvre Tavernier, bonsoir, à Hamza Taliani, bonsoir et bonne nuit à Pat Patou qui est de VK, qui me suit de VK. Bonsoir et bonne nuit à Charline Choco. Ah, il faut pas t'appeler comme ça, là tu vas me donner envie de grignoter à la fin de ce live. Hein. Faut pas t'appeler Choco. Hein. Bonsoir et bonne nuit à Sophie-Marie Dubois, à Guylaine Miras, à Minou Minouche, à Régine Gouvillier, à Chamamacha de VK. Donc Chamamacha, tu es de VK et tu as mis un lien sur VK que franchement, tiens, est-ce que je vais le voir là? Tu vas te faire punir hein, si c'est pas quelque chose de bien. Ah si, c'est quelque chose de très très bien. Eh bien, tu me tiens par les sentiments. Hein. Tu me tiens par les sentiments alors que moi j'ai dit je ne lis personne et je montre rien. Là, je suis obligé de montrer. Hein. Je suis obligé de montrer. Hein. Je ne peux pas passer à côté, les amis. Allez, je vous montre ce que m'a envoyé l'ami Chamamacha de VK. Ça va vous permettre de voir à quoi ressemble VK, assez bleu comme Facebook. Hein. Regardez, nous sommes sur VK, les amis. Et donc, voilà ce que m'a envoyé l'ami... Alors, vous avez des noms bizarres. Chamamacha. Donc, chaque année en France, il est écrit, je lis ce qu'il a écrit, chaque année en France, c'est plus de 10 000 enfants qui disparaissent sans qu'on sache vraiment ce qu'ils deviennent. Et ça n'a pas l'air d'alerter l'opinion publique, ni les politiques, ni les médias non plus. Mais on connaît les penchants ambigus de bon nombre de juges et autres célébrités, hommes d'affaires et politiques. Voilà, voilà, comme ça c'est dit. Protégeons nos enfants. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est un visuel. Quand vous avez des magistrats qui estiment qu'un enfant de 5 ou 6 ans peut éventuellement consentir à un rapport sexuel et qu'ils vont relaxer des individus pour cela, c'est que nous avons un problème dans la formation de nos magistrats. Et donc, ça a été dit par cette avocate qui s'appelle Marie Grimaud. Alors, c'est important de le dire, hein. Mais c'est important aussi de se dire que il n'y a pas un magistrat, et par extension, à mon avis, à 98% tous les avocats aussi sont francs-maçons. D'où beaucoup m'en parlaient, j'ai déjà évoqué le sujet, le manipulateur, l'avocat Boulot, hein, il me semble que c'est François. Eh bien voilà, vous avez la réponse. Il gagne le concours d'éloquence, il est avocat, enfin vous voyez un rapport, vous, avec des gens qui à la base étaient descendus pour demander du pouvoir d'achat, les taxes sur l'essence, les faire baisser, et un avocat. Et en plus, qui dit se faire élire par deux ronds-points, comme si c'était suffisant pour aller dans les médias. Donc voilà, pour moi, c'est clair et net. Hein. En plus, s'il était vraiment honnête, si vraiment son souci, lui, comme moi, hein, mon souci, c'est pas du tout le pouvoir d'achat, même si franchement, je vous dis, hein, je roule pas sur l'or. Mais c'est pas du tout le pouvoir d'achat, ni les taxes sur l'essence, mais c'est d'abord l'humain. C'est-à-dire que les guerres s'arrêtent, qu'on arrête de tuer des gens, qu'on arrête de nous tuer ici avec des faux attentats, qu'on arrête d'obliger les gens à quitter leur pays pour venir ici,
se faire désigner comme étant des indésirables, qu'on arrête de nous exploiter, nous et les nouveaux esclaves, les immigrés qu'on force à venir parce qu'on ne leur laisse aucun destin dans leur pays, on leur laisse aucune perspective, parce qu'on pille leur pays, qu'on arrête de piller le Mali de son uranium, qu'on arrête de piller la majorité des pays d'Afrique noire de leurs richesses, que ce soit les minerais, que ce soit tout ce qui est diamants, tout ce qui est métaux rares, y compris pour fabriquer les smartphones, que ce soit le pétrole, justement, hein, qu'on arrête de déstabiliser ces États, qu'on arrête d'exécuter leurs élites, qu'on arrête de vouloir régenter la planète, hein, de la vouloir, et pas uniquement vouloir, mais tout faire pour renverser le président élu, Maduro, le régime vénézuélien en place. Voilà, ça, franchement, ça, c'est une bonne raison pour aller jusqu'au bout d'une révolution. Que protéger nos enfants, arrêter cette école idéologique où, justement, on met dans la tête des enfants plutôt que des valeurs, plutôt que des informations vérifiées, scientifiques, du savoir, leur apprendre à bien lire et écrire, maîtriser un maximum de langues, un maximum d'informations, leur expliquer de manière ordonnée, mais pas pour les perdre, l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'humanité. Parce que là, actuellement, l'école, ce qu'elle fait, c'est qu'elle perd tout le monde. Il commence par mai 68 pour passer à la civilisation grecque, pour ensuite revenir à la Deuxième Guerre mondiale et après faire un passage par l'Empire romain. Hein, et puis de temps en temps, on évoque un des présidents, pardon, président, on n'en est pas loin, hein, vous voyez, la confusion avec Macron. Un des rois de France, de temps en temps on sort un roi de France, et puis après on bifurque sur un petit coup de guerre mondiale, et puis on revient sur la Révolution française. C'est pour perdre les jeunes et pour nous perdre nous aussi, hein. Donc voilà, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter de mettre, de faire l'école du porno, hein. Parler de sexe, montrer aux enfants, leur apprendre la sexualité très très tôt, ensuite leur apprendre l'homosexualité, parce que si c'est pas leur apprendre l'homosexualité, il faudrait avoir des intervenants qui parlent de toutes les tendances. Pourquoi uniquement la tendance? Le genre, la tendance homosexuelle, ce n'est pas autre chose, pardonnez-moi, mais que de la publicité pour un seul genre, ce qui peut s'apparenter, si c'était par exemple une religion, si être homosexuel était une tendance, une philosophie de type religion, on appellerait ça du prosélytisme. Vous imaginez des intervenants venant dans les écoles, comme il se produit actuellement, pour parler uniquement, par exemple, de l'IVG, uniquement de l'homosexualité, d'accord? Imaginez si l'homosexualité ou l'IVG, c'était, par exemple, une des trois religions, par exemple, la religion catholique. Eh bien, tout le monde hurlerait au non-respect de l'école laïque, républicaine, ce serait du prosélytisme. Mais là, ça ne gêne personne. Vous avez des intervenants qui parlent uniquement d'homosexualité et pas du tout des autres tendances, hein, parce que
Je tiens à rappeler qu'il existe aussi l'hétérosexualité. Hein. Il n'y a pas que l'homosexualité. Pareil pour l'IVG. On a uniquement le discours qui pourrait passer dans les esprits comme encourageant les jeunes filles, parce que là, ce n'est pas les garçons. Hein. Donc c'est un message qui s'adresse aux jeunes filles, qui pourrait passer comme une incitation hein, à aller faire n'importe quoi. Parce que de toute façon, on te dit que l'IVG, c'est cool, tu peux le faire sans aucun souci, etc. Parce que il n'y a pas, on va dire, les autres intervenants qui, eux, il faut les entendre, qui disent l'IVG, c'est extrêmement traumatisant pour la personne qui y a recours. Il faut qu'on vous informe. Essayez plutôt que vous vous retrouviez dans cette position difficile où vous n'avez d'autre choix que de pratiquer une IVG et on vous assure que ça va vous traumatiser énormément, ce n'est pas un jeu. Essayez plutôt de, comment dire, de prévenir en amont, pardon. Mettez un préservatif, prenez vos précautions, etc. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, hein. Vous avez des gens qui passe et qui explique que de toute façon nous avons un pays formidable avec une liberté formidable, un sens du droit de l'homme extraordinaire qui fait que ne vous inquiétez pas, l'IVG est bien légal et que si besoin on vous le fera sans souci. Donc voilà, alors je suis parti un peu loin, j'étais en train de vous dire au revoir. Toi, je vais plus te lire, hein. Chama Macha, tu peux être fier de toi, mais effectivement, tu as raison, ça valait le coup parce que c'est un sujet extrêmement important. Et donc, j'étais sur le cas de l'avocat Bouleau. Si vraiment cet homme n'a pas fait ça pour l'argent, il aurait dû. Il est avocat, il est au courant mieux que les zigotos. Qui disent ne pas être au courant de plus que le pouvoir d'achat, le RIC, l'essence. Ils savent pas plus que ça. Ces trois sujets-là, c'est, si vous voulez, ce qu'ils ont appris dans la vie. Ils savent pas, par exemple, pour les guerres, ils savent pas, pour les vaccins qui posent problème, que tout le monde s'inquiète. Ils savent pas pour notre santé. Que ça part en sucette, que les maladies explosent, que les médicaments rendent encore plus malades. En fait, ils savent pas grand-chose. Hein. Ils savent juste demander des choses abstraites, comme le pouvoir d'achat, comme le RIC en toute matière. Hein. Ça, comme ça, c'est l'affichage. Et vous voyez, les merdias et le gouvernement, ils font tout pour vous installer dans la tête que vraiment la révolution la plus belle au monde, ce serait d'instaurer le RIC. Ce qui est une illusion, hein, mes chers amis. S'il n'y a pas de justice dans ce pays, si il n'y a pas de liberté dans les merdias, etc., etc., à quoi sert un RIC, hein? À quoi sert si c'est pour qu'il soit défendu par uniquement ceux qui ont accès aux médias, et on les voit tous les jours, ils nous aiment pas trop, hein, ils font tout pour nous faire passer pour des terroristes, des antisémites, des casseurs, des violents, des inutiles, des moins que rien. En gros, on va mettre en place un système qui s'appelle RIC pour faire des référendums. On ne pourra pas faire 1000 référendums par an, à mon avis, ça va être autour de 2-3 référendums. Et pour faire le tri, lequel des référendums on va faire, ça va être bien entendu au niveau du nombre. Rapporté à l'expérience suisse, ça sera plutôt autour de 700 000 signatures. Et bien vous avez tout compris. Ceux qui peuvent obtenir 700 000 signatures, ce sont ceux qui passent dans les médias pour en parler, pour fédérer, pour transmettre l'information. Ce sont ceux qui, sur le terrain, ont des, on va dire, un tissu d'organisation pour pouvoir, un peu partout, comme dans une élection, tracter, informer, faire des réunions publiques, faire des. Qui peut faire ça? Ni vous, ni moi.
c'est les partis politiques et surtout et avant tout la franc-maçonnerie. C'est la télé, tous les médias sans exception, y compris Mediapart, pour ceux qui veulent encore croire, j'ai envie de dire à la Vierge, y compris aucun média ne leur échappe. Hein. Mediapart qui adore certains sujets, hein, elle va approfondir. Ils vont approfondir à fond certains sujets, mais qui vont pas voir tout ce qu'il y a autour comme sujet Mediapart. Ils vont jamais s'intéresser au placement abusif d'enfants, de ce qu'on a dit là, la pédophilie, pas dans l'église, hein, parce que ça pareil, hein, c'est une énorme manipulation. La pédophilie dans l'église, elle doit exister dans les mêmes proportions que la pédophilie, que sais-je moi, à l'école, tiens, à l'école républicaine, à l'hôpital ou dans d'autres religions. Mais par contre, la pédophilie que les médias s'évertuent à ne jamais évoquer, c'est la pédophilie dans la franc-maçonnerie. Et on voit toutes les affaires éclatantes, hein. Patrice Allègre, pour aller dans des affaires pas uniquement en France, regardez les interventions de Laurent Luy, un député belge, hein, sur tout ce qu'il y a eu là-bas comme disparition d'enfants, comme on sait qu'il y a eu des violences et même des rituels sur les au moins deux petites filles qu'on a fait passer pour mortes de faim, alors que cet homme-là, ce député, il a juste divulgué les éléments du dossier ou dans lesquels il y a des photos insupportables, des informations inhumaines sur le calvaire que ces petites filles ont subi avec des brûlures, elles étaient entaillées de partout, elles étaient massacrées physiquement, hein, ces petites filles, on avait du mal à les reconnaître, hein, donc elles n'étaient pas du tout mortes de faim, elles étaient violées, bien entendu. Elles n'étaient pas mortes de faim comme la version officielle le présentait. Et il a démontré qu'il y avait un lien avec Elio Di Rupo, qui était, il me semble, le Premier ministre. Et donc, quelle a été la réaction de toute l'Assemblée et donc du pouvoir en place? C'est de lui avoir enlevé l'immunité à ce député, donc alerteur, Laurent Luy. Hein, ils lui ont enlevé l'immunité, hein, pour le jeter en pâture, à se faire harceler par la justice qui lui reproche d'avoir dévoilé donc un dossier qui a été terminé depuis bien longtemps. Lui, il a fait ça pour essayer un peu d'apporter la justice, de faire éclater la justice. Et voilà leur réaction. Et quand vous le voyez, tous ces discours, il dénonce, il dit que des choses, je vais dire, juste et humaine, et qu'à la fin il finit par dire, écoutez, à la fin de mon mandat, si jamais je le finis, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est d'aller changer de pays parce que je n'arrive même pas, en étant un député, en ayant des revenus élevés et sûrs, et en n'ayant pas de, je vais dire, de dette, je n'arrive pas à ouvrir ne serait-ce qu'un compte en banque en Belgique. Et ça, c'est énorme, les amis. Hein. Ça, c'est énorme. Et de voir que tant que ça passe pas à la télé, presque personne n'est au courant, c'est quand même dramatique. Alors, bon, j'ai réussi à faire dormir la moitié de mon auditoire parce que entre le moment où j'ai commencé à citer vos noms et là. Il y a allez, 10 personnes qui dorment, qui sont en train de ronfler. Eh bien, écoutez, c'est gratuit. Je vous fais la berceuse, les amis. C'est gratuit et c'est tous les soirs. Donc, chamamacha, voilà. J'ai réagi et c'était important. Allez, donc on reste sur les au revoir. Parce que si on continue comme ça, vous allez m'emmener jusqu'à 2 heures. Bonne
bonsoir et bonne nuit à Raja Bouchefa, à Marie-Laure Blainville, à Magalis Ganjar, à Garcia José, à Annie Isabelle, à Marie-Gabrielle, bonsoir et bonne nuit à Anouk Bastien, à Joël Xavier Lemain, à Bégette Fouque, à Claudine Even, je t'ai déjà vu, à Donostia Daniela, bonsoir et bonne nuit à Esther Daniel Douce. Oui, c'est une catastrophe, je vois juste vite fait là, parent 1, parent 2, je n'arrête pas de dénoncer, c'est une catastrophe. Et je répète que ce n'est pas que ça, que grâce au package de la loi Taubira qui était soi-disant pour aider les homosexuels à avoir les mêmes droits, eh bien ils ont fait passer plusieurs mesures. Parce que là, le parent 1, parent 2, ceux qui découvrent, ça n'a pas été écrit aujourd'hui, hein. C'était dans le packaging de la loi Taubira pour autoriser le mariage pour tous. Donc vous voyez bien, ceux, y compris votre serviteur, qui vous alertaient à l'époque sur la catastrophe qui était en train de produire et que beaucoup avaient tendance, la facilité de suivre ce qui se fait dans les merdias, c'est-à-dire à douter de mon respect pour les personnes homosexuelles ou carrément penser que je suis homophobe, moi et plein d'autres, eh bien regardez, c'est sous vos yeux, hein. On vous a dit, mais non, mais c'est juste pour qu'ils puissent se marier, c'est juste ça. Il n'y aura pas d'adoption, il n'y aura pas de PMA, il n'y aura pas de GPA, et c'est des foutaises, parent 1, parent 2, tout ça, c'est des mensonges, c'est des complotistes, c'est des comploteurs ceux qui vous disent ça. Ben regardez, et la GPA, ça viendra. Ça viendra, préparez-vous, hein. Ça va finir comme Matrix à la fin, ça veut dire qu'il y a des ventres comme ça partout qui produisent des enfants, et pas besoin d'avoir autant d'hommes qu'aujourd'hui, hein. C'est comme, je veux dire, il suffit d'un mâle reproducteur pour un ensemble, c'est fini, hein. La science fait le reste, hein. c'est par piqûre, hein. Hein. C'est par pipette à la fin. Hein. Voilà, malheureusement, il est pas trop tard, ouvrez les yeux, hein. Et donc ce qu'il y a dans ce packaging aussi, ce que je doute qu'un jour ça sorte dans les médias, c'est que ça a légitimé le fait d'effacer le nom biologique du parent, biologique, d'un des deux parents, lorsque l'autre parent fait adopter l'enfant par, même pas un mari ou une épouse, mais par tout simplement un ami ou une amie, du même sexe ou pas, du moment que la personne dit qu'elle est avec. Vous voyez, jusqu'à où ça va, la perversion, ça veut dire il suffit que vous alliez voir votre meilleur ami, imaginons que vous êtes une femme, vous allez voir votre meilleur ami, malgré que le père est vivant, hein, et vous lui dites que vous avez besoin d'un coup de main, est-ce qu'elle ne veut pas dire que elle est... donc votre concubine et qu'elle aime bien, elle voudrait adopter donc votre enfant, eh bien il suffit de ça et vous faites tous les papiers avec votre avocat, à chaque fois vous lui dites tiens, il faut juste que tu signes là, eh bien croyez-moi que le père aura de fortes chances, déjà il va galérer, et aura de fortes chances de voir son nom rayé de tous les papiers officiels, alors que bien souvent il a déclaré son enfant à la naissance, etc. Le père n'existera plus, ni sur un acte de naissance, ni nulle part. C'est-à-dire que on nous a toujours expliqué que les enfants nés sous X, c'est parce que c'était comme ça, et qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'en gros, la mère ne se rappelle plus de qui est le père, et que de toute façon... il voulait pas déclarer l'enfant, il s'est barré, et que c'est... on peut pas faire autrement. Et ben regardez, on fabrique du nez sous X, on le fabrique, on le force, hein, alors qu'il y a des parents biologiques, eh bien, on est capable, à un certain moment, de dire, ok, en fait c'est un X, on met du blanco, on met X, et puis si possible, si on peut faire passer, comme on le fait...
des couleuvres, plus c'est gros, plus ça passe, on peut toujours dire que c'est l'autre parent du même sexe qui est le vrai parent biologique. Pourquoi pas? Donc voilà. Eh bien, Raja Bouchefa, merci de m'avoir lancé sur un sujet alors que j'étais en train de dire au revoir. Allez, maintenant j'arrête de vous lire, mais c'est vraiment vrai, hein. Alors, attendez, je vais voir quelque chose. Non, ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Ouais, on en était là. Alors, Raja, je t'ai vu. Oui, tu dis, etc., etc., etc. Et on va. Je vais pas développer, on va s'arrêter là. Tu as bien raison, il y a beaucoup d'etc. Tiens, bonsoir et bonne nuit à Ginette Rister, à Yann Alexis. Non, toi, t'es le salopard que j'ai bloqué. Bonsoir et bonne nuit uniquement à Ginette Rister. Élise QT, je sais pas si je t'ai vu, et tu es donc de VK. Voilà, bonsoir et bonne nuit. Qui je n'ai pas vu d'autre. Alors, Charline Choco, à chaque fois que je lis ton nom, j'ai envie d'aller manger du chocolat. Change-moi ça. Tu t'appelles vraiment Choco? Alors. Tiens, bonsoir et bonne nuit à Marilou Kderms. Mylène Chosy. Qui d'autre? Bonsoir et bonne nuit à Che Apps. Che Apps. Tu dis, là on va mettre encore un quart d'heure, tu dis, mais les gens autour, ils bougent pas. Et tu sais ce que j'ai envie de dire sur ta phrase, c'est que je vais garder le mot Jean en disant sur ce malheureux boxeur qui a été instrumentalisé pour qu'il le foute au final avec 3 ans dans 1 an ferme, etc. Alors qu'il a été manipulé, hein, il y a qu'à regarder les vidéos pour voir que la scène est orchestré, que c'est pas du tout naturel. Je pense qu'il doit être le seul à pas être au courant du piège dans lequel on l'a poussé. Et lui, donc, il a été, à mon avis, condamné pour de vrai. C'est pas un jeu, hein. Généralement, c'est comme ça qu'ils font. Et donc, juste, je rebondis sur ça en disant, c'est quand même étonnant. Comprenez-moi. Ceux qui disaient que les gens du voyage vont aller donner une bonne correction à Macron et à tout le gouvernement, et qu'il n'est pas question que donc j'ai oublié son prénom, mais je sais que son nom de famille c'est Détinger, Christophe, voilà, que Christophe Détinger fasse ne serait-ce qu'un jour de prison, etc. Et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est quand même étonnant que c'est pire que de faire 1 jour ou 2 de préventive, c'est que Christophe Détinger est bel et bien parti pour faire de la prison si il n'arrive pas à obtenir de la liberté conditionnelle, parce que même rentrer le soir pour dormir en prison tous les jours, franchement, je vous dis, c'est une prison, hein, c'est l'enfer. Perso, si je devais choisir, je préfère rester toute la journée. Au moins, je peux me documenter, lire, etc., plutôt que de jouer ce jeu pervers où le matin on sort, pas pour aller pareil, lire, s'instruire, se balader, etc., mais pour aller s'enfermer dans un boulot d'esclave. Et en plus, interdit pendant 6 mois de Paris. Enfin, je veux dire, autant rester en prison, hein. Donc voilà. Les gens du voyage, pourquoi ça s'est arrêté net, malgré que le pouvoir, je veux dire, ne respecte
pas Christophe Dettinger, ne respecte pas ses défenseurs, ne respecte pas la vérité, il ne respecte absolument rien. Comment est-ce possible que vous acceptiez, voilà, comment est-ce possible que vous acceptiez ce verdict, cette injustice flagrante, criante? Où êtes-vous? Bon. Alors, il y a une information, je la mets au conditionnel, qui dit que plusieurs, donc on va dire, leaders des gens du voyage ont été payés hein, pour calmer et étouffer la révolte. Voilà. Donc ce gouvernement, c'est bien un gouvernement, pas que le gouvernement, ce système, c'est bien un système de corruption généralisée. Donc voilà, bon, alors on va avancer. Cheops. Je pense qu'on va arriver à la fin là. Alors, bonsoir et bonne nuit à Gérald Lacoste, à Marie-Gabrielle, à Abdelkader Nabi. Alors, que je loupe personne. À Émilie Laurent, à Laetitia Marie. Bonsoir et bonne nuit à Joël Carldroit. Je ne sais pas si je t'ai vu. À Olivier Poco, je recommence, c'est pas grave. Bonsoir et bonne nuit à Nadine Ma ou Mat. Échec et mat. Bonsoir et bonne nuit à Corinne Yvette Volger ou Volger. À Garcia José. Elimel Janovic, si je t'ai pas déjà vu, à Joël Xavier Lemain. À Fabien Duo, à Heidi De Souza. Voilà. Je pense que j'ai pris beaucoup de retard sur le commentaire. Parce que je vois des messages de tout à l'heure. À Luc Revolter, Tartellini, Orsini, bonsoir et bonne nuit. Bonsoir et bonne nuit à Sabine Duperche, à Yann Basse, à Amélie Guyandaï, à Antolori, Choco, Charline, change ton nom. J'ai envie d'aller taper dans le tiroir à gâteau. Bonsoir et bonne nuit à Toche GG, à Laetitia Marie. Alors, est-ce que il y a des personnes que je n'ai pas vues? Merci Marie-Gabrielle. Bonne nuit. Bonsoir et bonne nuit à CH Francis. T'avais disparu à un moment. Qui d'autre qui je n'ai pas vu? Bonsoir et bonne nuit à Domidoms, à Christophe Titeux, à Fouad KH. Bonsoir et bonne nuit. À Ginette. Je t'ai vu. Ah. Bon, voilà. J'ai vu. Je crois que j'ai pas vu Joël Xavier Lemain. À Toche GG. Bonsoir et bonne nuit. À qui d'autre? À Farid Suisse. À Dikembe Matombo. Bonsoir et bonne nuit. À José Duc, à Joël Xavier Lemain. Alors, est-ce qu'on arrive? Hop. Bonsoir et bonne nuit à
Dawidi ressassé. À Laetitia Marie, je ne sais pas si je t'ai vu. Bonsoir et bonne nuit à Cathy Riot. Bonsoir et bonne nuit à Rebelle Pacifique. À Ida Wickersheim. Bonsoir et bonne nuit à Lydie Denis Maraval. Et on termine. C'est bien. Les amis, c'est bien. Ok, je suis arrivé au bout. J'ai envie de lire ton commentaire qui est parce que je trouve bien Charline et que c'est le dernier. Donc tu dis, ils font exprès de remettre une pièce dans la machine car ils ne savent plus quoi inventer pour faire peur aux gens et qu'ils ne sortent plus et qu'ils disent donc que les manifs s'essoufflent. Nous sommes d'accord. Voilà, et donc Joachim Geronimo Lario va dans ton sens, et j'en profite donc pour te dire, tu seras le dernier, Joachim Geronimo Lario, bonsoir et bonne nuit. Allez les amis, dormez bien, il est minuit 33, le temps passe vite, quand on est en si agréable, on va dire, commentaire. Donc je vous dis à demain soir. Passez une agréable journée. J'espère que votre journée sera productive, que vous apprendrez des choses nouvelles. Soyez curieux et curieuses. Mettez à profit le temps libre que vous avez à faire quelque chose d'utile, hein, que ce soit vous informer ou informer les autres, malgré que je sais que c'est pas facile d'informer les autres, c'est pas facile d'ouvrir les yeux aux autres. Généralement, on se prend on va dire l'instinct qui a été fabriqué par les médias et tout le système, qui consiste à activer le bouclier de défense dès qu'on entend certains mots. Dès qu'on entend, dès qu'on aborde certains sujets, et si on essaye d'insister, ne serait-ce que de la manière la plus courtoise du monde, pour quand même essayer de faire passer l'information, malgré qu'on voit que la personne s'est braquée d'un coup, eh bien, ce qui se passe, c'est que la personne devient agressive. C'est comme si vous remettiez en cause l'existence même de Dieu pour un croyant. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme si vous remettez en cause, je veux dire, un sujet, un combat pour lequel une personne s'est battue toute sa vie. Hein. La personne ne peut pas l'accepter. Ça veut dire que, parce que si elle l'accepte de reconnaître et d'entendre au moins, elle avouerait à ce moment-là, quelque part, qu'elle a été nulle et qu'elle s'est trompée toute sa vie. Donc voilà, c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Allez mes amis, à ce soir. Passez une bonne journée. À ce soir, les amis.